Salut, c'est Victor. J'ai 22 ans et je suis artisan boucher. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour cette 3e saison, je ferai le tour de France à la rencontre d'artisans passionnés qui font vivre l'art de la boucherie française. Aujourd'hui, on est à Versailles. On va aller à la boucherie Godin, la plus ancienne de la ville. On va rencontrer Damien Zeller, qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le conseil. Il y a 10 ans, il a tout plaqué pour devenir boucher. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonjour Damien. Bonjour Victor. Ça va, la vie de bureau vous manque pas trop ? Ah non, pas du tout. Je suis très très bien là où je suis là aujourd'hui. Expliquez-nous, comment on fait pour passer directeur commercial dans l'informatique à artisan boucher ? Et c'était quoi le déclic ? En fait, je suis originaire de Corrèze et ma volonté, en fait, c'était de travailler avec mon pays. J'ai des amis éleveurs qui sont passionnés par leur boulot, qui font des produits exceptionnels et une partie de ma production vient effectivement de mon pays. Alors je suppose que cette reconversion a dû surprendre votre entourage. Ah ça c'est certain, mes collègues de bureau se sont dit Damien est devenu totalement fou. En ce qui concerne ma famille, j'ai eu un total soutien en fait d'elle, hein, de ma femme et de mes 5 enfants. Depuis 2018, vous avez ouvert une seconde boucherie à Versailles. Aucun regret d'être devenu votre propre patron ? Ah non, vraiment aucun, parce que c'est un boulot passionnant, extrêmement enrichissant et surtout très varié. C'est vrai qu'on a beaucoup de relationnels dans notre métier. Effectivement, un énorme relationnel. Hein, quel plaisir d'avoir un retour de notre client qui a bien été servi. Et puis aussi le relationnel avec les éleveurs, avec nos fournisseurs, ça c'est extrêmement important. Et le relationnel avec les salariés. Bien sûr, c'est aussi ça notre métier de boucher. C'est valoriser le patrimoine français, c'est ça notre héritage. Ça fait partie réellement de notre ADN. Ce métier qui est un vieux métier s'inscrit totalement dans l'identité française. C'est pour ça que j'ai envie d'inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et effectivement, alors là, je suis derrière toi à 100%, Victor. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager la vidéo. On se retrouve au prochain épisode avec Lionel Reynaud de l'entreprise Fischer-Bargoin.